Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur National TV. Nous sommes aujourd'hui jeudi 8 février 2024 et selon le calendrier des faisans, c'est une journée défavorable pour toute action spirituelle mais favorable pour toute action matérielle et physique. C'est placé sur le 6 mai où le signal est au rouge. Pour vous qui croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. La présentation de la une des journaux qui démarre par le quotidien, le matinal qui a mis quoi? Défaut de plaque d'immatriculation et de casque. La répression démarre en masse. Les motocyclistes sensibilisés par le CNSR et la DGPR. Vous voulez plus de précisions sur ce titre? C'est à retrouver à la page 2 et 4. Autre titre. Coupe d'Afrique des Nations 2023. La Côte d'Ivoire retrouve le Nigeria en finale. Le quotidien qu'on retrouve à présent, Fraternité, qui a mis Laza Serweto au sujet de la révision de la Constitution. Je cite, « Le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes ». Autre titre, se joue au Palais de la Marina, un grand oral de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique. Coupe d'Afrique des Nations, Nigeria, Côte d'Ivoire, une finale 100% ouest africaine. L'événement du jour à présent, mesdames et messieurs, Agba ou Agbata au sujet de la GFD. Je cite, la GFD est un cri de ralliement et non un mouvement. Actualité politique nationale et internationale. Le président Patrice Talon face à la presse. Ce jour, sécurité des personnes et des biens. Cette commissariat bientôt construit dans des communes frontalières. Les quatre vérités à présent, mesdames et messieurs, Bénin, le président Patrice Talon face à la presse. Sauf changement, le chef de l'État abordera l'actualité nationale et régionale. Conseil des ministres du 7 février 2024, cette commissariat construit bientôt dans des communes frontalières du Bénin. Les restaurants et assimilés invités au respect du nouveau cadre réglementé. Sécurité routière au Bénin, la police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route dès mars 2024. Vous êtes intéressé par ce titre? Plus de précisions s'y a retrouvé à la page 3. La nouvelle génération à présent, Assemblée nationale au Bénin, révision de la Constitution, une entreprise vouée à l'échec, se demande-t-il. Les députés LD unanimement contre. Les députés BR et UP le renouveau en rang dispersé. Le peuple n'en veut pas et ne veut même pas en entendre parler. Nomination des ministres conseillers, pourquoi maintenant? Sénégal, Macky Sall a sali la démocratie la plus stable de l'Afrique. Il risque de sortir par la fenêtre car la majorité parlementaire de Macky Sall n'est pas le peuple sénégalais. Que dit Cotonou par rapport à la situation qui prévaut au pays de Léopold Sédar Senghor, d'Abou Diouf et de Maître Abdoulaye Wade? Du coin info à présent, mesdames et messieurs, recrudescence des mères célibataires en milieu urbain. L'éducation, une due épreuve pour leurs enfants. Autre titre, appel au respect du calendrier électoral au Sénégal. La CEDEAO de Tinubu prend enfin ses responsabilités. Nouvelle en des acteurs culturels de Parakou, l'appel du CO au retardataire à 48 heures de la fin des souscriptions. Le chasseur info à présent, mesdames et messieurs. Examen scolaire de 2024, le BEPC réorganisé, l'effet de la réforme de 2021-2022. Hommage à un ancien président du Conseil national de l'éducation disparu. Les trois ministres de l'éducation et l'équipe rectorale de l'UAC au domicile du prof Montondi. Gaskiani info à présent, mesdames et messieurs, révision de la Constitution. Ils ont dit non. Actualité nationale, Patrice Talon a annoncé devant la presse ce jour.
coup d'État institutionnel acquis le tout après le Sénégal. Remaniement ministériel, ça se précise. Mesdames et messieurs, et pour boucler la boucle, ce matin, le Béninois libéré qui a mis première session ordinaire du BENBR 2024 soutient à l'unanimité avec acclamation à la proposition de loi portée par Hassan Seyoubou. Lire l'intégralité de la notion de soutien à la page 3. Levé de 750 millions de dollars par le Bénin sur une maturité de 14 ans. Les réserves du Dr. Boni, du Dr. B.Covi, il présente ici l'historique des levées de fonds en Afrique. Mesdames et messieurs, voilà que nous sommes à la fin de cette présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.